Mesdames, messieurs, nouvelle la tombée, il y a environ $700,000 américains qui décaissé, qui sorti en Haïti, entré dans le pays les États-Unis pour payer Colombien yo et acheter des armes pour venir détruire la vie président Jovenel Moïse. Bon, question bien sûr à poser tête au Kounia. Qui est-ce qui décaissé l'argent ça? Nan ki bank? Et nouvelle lundi, c'est un responsable market. Qui market? Rete connecté ou pral tande koze gen dans la République. Yon lot bon. John Jorel Joseph pense c'est en Haïti lié. Li offri policier yo $2,000,000 pour être capable libérer, pour être capable blanchir. Yon façon pou l'tap vivre libre et libre dans le pays la Jamaïque. Rete connecté, pran ti chèz ou kage ou bien kage parce que vidéo sa ou pral tande koze gen la dan. Go bonjour, go bonsoir, comment nous y est? C'est toujours un plaisir, en pile dans mon cœur content. À chaque fois, bon Dieu la vie a bonne opportunité pour me retrouver dans mes cours pour me poser une vidéo d'information pour nous. Sans pas ajouter rien, on a le temps de causer. Dans le fin mois de juin, il y a presque $1,000,000, plus précisément $700,000 qui sont en Haïti, mais moi-même avec nous, nous n'avons pas fait transaction ça. Pour moun ta transférer $10,000 américains en coup, ou faut bailler une déclaration de provenance de fonds. Et information gagnée, c'est nèg qui n'a gros business ici, nèg qui gagne maquette, qui prend prétexte, il a commandé marchandises l'autre bord, voyez gros comme albay criminel colombien yo. N'a demandé pour que la justice bailler une délégation à DCPJ pour raconter qui banque ça yo, qui moun ça yo, qui propriété maquette, qui est moun dans secteur privé a qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons dit, c'est une bénédiction pour pas qu'il y ait tout le monde de pouvoir. Parce que ça a empêché le pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre le là, au moins, vous avez pour la vérité. Parce que vous êtes président, tout le monde a envie. Vous êtes assassiné. C'est même bagarre qui est passé en 2004. Vous avez vu kidnappé Jean-Bertrand Aristide. Tout le monde a bravo parce que vous avez besoin de pouvoir. Mais cette brèche, il tout ouvre net. Qui vient faire que vous avez dit que vous avez assassiné le président. Donc, nous avons demandé à vous faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président vrai, il faut que l'État soit fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, d'où en priorité pour tout le monde qui a fait politique qui remet le pays à vous dire que ça n'a pas droit de jamais passer encore. Le Panama qui passe à la République Dominicaine, devient en Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir et nous connaissons très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, le constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, hein, et même faire des demandes, faire enquête pour connaître ça recommandement l'armée colombienne a dit, c'est vrai, à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent trouver Jovenel Moïse. C'est ça, il dit. Mais l'État responsable, qui doit faire des enquêtes sur ça, parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça, c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, dans notre pays, a fait de lui-même un irritant. Et on n'est pas capable d'expliquer juridiquement ce qui constitue nous, pour combien de temps il y a là. Et qui vient de faire qu'il y a un bon acte d'État qui apprend et qui poser des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à ce système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a fait aux États-Unis, pour procédure qui déclenche aux États-Unis. Par exemple, nous avons fait bravo, mais nous avons fait arrêter John Jorel Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, gouvernement, pour qu'on fasse enquête toujours pour qu'on finisse faire un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc qui est-ce que
qui est ce monde dans le ministère intérieur de Bali? Nous dit que nous ne pas comprendre comportement gouvernement par rapport avec procès qui affecte Jodia aux États-Unis. Le nous est que ou même comme journaliste ou même comme nous même comme citoyen, si nous besoin information sur le dossier, faut nous casser tête pour nous joindre. C'est comme si Dadou m'a moi pas pour mourir et a fait procès à ça pas intéressé, donc son sans famille que a jugé. Oh, ce monde qui était président dans le pays. Moi même par exemple, m'obligé à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, bon, on s'est eu un hearing qui t'a pas fait le 31, mais pas fait encore parce que les gars tellement collaboré l'autre bois. Je veux parler de Jarre, je veux aller parler à la science et éventuellement. Donc, pas, même passer devant le grand jury, c'est ça qui est pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier le compte qui peine que y a Bayo. Et ça fait nous dire que comportement ça, c'est peut-être c'est de l'incompétence. Mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des mounes qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. Nous, ouais, par exemple, à la suite de révélations New York Times fait sous Ariel Henry, nous-mêmes comme citoyens, nous écrit Ariel Henry, nous dit ben ça au grave en pile. Nous grave en pile, sous pas capable de faire action judiciaire contre New York Times et contre journaliste Anatoli Koumanaev, où le seul choix c'est pour démissionner. Parce que moi j'ai un problème avec et sous ce que New York Times mais on pas prendre machin de drogue et ou prend pour parole comme parole vérité. Même pas gagne dit que c'est pas vrai. Moun qui pour expliquer maintenant c'est Ariel Henry, premier ministre de fait. Mais nous dit très clairement dans la lettre là, il doit mener des actions judiciaires contre le New York Times à ses frais. C'est pas avec l'argent de l'État. C'est avec code dans poche li pour engager avocat pour mener action contre New York Times et journalistes. C'est même démarche là que nous fait auprès du chef de la police parce qu'il grave en pile, Belta grave en pile pour le chef police. Nous avons sept policiers. Ils ont venu parler de l'assassinat d'un citoyen avec vous pour des moyens matériels. Mais c'est tout pour le chef de l'État pour ne pas dire rien. Ça montre que nous avons un complot. Donc, nous-mêmes, nous préoccupons cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers ou bien dans le crime. L'éclair, selon les déclarations, éléments que nous avons dans l'enquête et comportement, nous avons dirigé que l'État au plus haut niveau a participé dans le coup d'État et dans l'assassinat. Par exemple, la réponse de tweet de M. Ariel Henry, c'est encore un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, nous avons dit ça semble une sorte de repentir actif. Tardif. Tardif. De repentir. C'est de repentir. L'autre préoccupation que nous avons, c'est l'ingérence de l'international sous fond de diversion. Nous voyons que son dossier qui prend en charge par l'international. Par exemple, le département d'État fait plus de déclarations sur l'assassinat Jovenel là que le gouvernement Ariel Henry. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes supposés qu'un secrétariat, qu'un espace, nous étions continuellement informés sur ce qui a passé dans le dossier. Et c'est ça que fait. Sous ingérence sous fond de diversion, nous voulons lancer un appel à citoyens et priorité tête fleur. Par exemple, New York Times s'est dit non au premier temps. Son liste marchand de drogue que monsieur était venu chercher. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages underwear. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue que venu chercher, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages comme ça encore. Dans deux autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'état est gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le disque qui se passe à là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Sainte-Fiche pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue.
Yo te débloqué 616 000 euros, soit 700 000 dollars américains. Il y a des experts qui étaient là. Mais journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue et marchand d'armes, document qui a commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous un bagage, les États-Unis dit nous un bagage. Donc il y a confusion totale. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, moi, je suis battu bravo parce que le département d'État a pris un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut être prudent. Parce que le Congrès a pris un ordre. Il dit pour le département d'État faire une enquête. Ça, ce n'est pas le Congrès qui a mené l'enquête là. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI qui relève du ministère de la Justice, qui va trouver une enquête là. On t'a dit d'aventure. Que Américains ont des choses pour un crime, non, pour l'exécutif, donc il y a des moyens pour cacher la participation. Ça fait nous dire que diversion, ça, c'est pour vous aider à sur un monde retiré sur vous. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes les pistes, généralement, quelconque doit être sur la table. Nous avons dit, journal français, même aux États-Unis, nous avons dit, que l'administration Biden a joué un rôle. Mais qui est-ce qui en Haïti qui a enquêté? Est-ce que nous avons dit que Jovenel Moïse a dit le soir du crime, avec des gens de la communauté internationale, parce que nous avons dit qu'il parlait avec eux. Il a dit qu'il paquet qui parlait avec eux. Est-ce que nous avons dit, est-ce qu'il y a une enquête qui est prête ou bien qui est sur route pour déterminer ça? Alors, gagné. Yon media Jamaïque qui rele Jamaica Observer qui c'est yon gros journal qui gagne en Jamaïque qui sorti yon article bonheur matin là concernant arrestation et même traverser John Joel Joseph sorti Haïti pour al Jamaïque. Mon capitaine de yon là et prenti ches ba nou koute. Selon ça journal Jamaica Observer fait connait sorti John Joel Joseph Haïti pour arriver Jamaïque coûte 12 000 dollars américains. Selon sa journal la fait connait ancien sénateur qui c'est un suspect clé dans assassinat ancien président Jovenel Moïse là yo té rivé prendre dans Jamaïque li té gain avec li membre famille et li te tenté bay policier qui t'ai arrêté le cob pour yo pas expulser ou bien pour yo pas voyer en Haïti parce que il dit s'il allait en Haïti il a touyé. D'après ça journal là lui-même li fait connait John Joel Joseph li quitté Haïti pour li vini Jamaïque par bateau en décembre Jean Sodia un voyage qui coûtait 12 000 dollars américains. Selon sa journal l'a dit John Joel Joseph pat fait rien pour lui cacher identité, il était voyagé avec passeport normal et tizonio prend lan son petit circonscription qui est Saint-Élisabeth qui trouvait dans sud-est pays Jamaïque. Alors, ça pour nous connaître c'est que les anciens sénateurs arrivés dans tizon ça selon sa journal la rapporté, il était essayé parler avec Mounio, rapprocher Mounio pour lui joindre sympathie moun yo pour lui dire que c'est on vit meilleur que l'a cherché. Selon ça, il y a un autre journal qui est le Sunday Observer fait qu'on est dans même article ça. Et là ont été arrêté John Joel Joseph, selon ça Jamaica Observer rapporté, John Joel Joseph t'a offert 2 millions de dollars américains à force l'audio sous prétexte que si yo expulsé en Haïti li risque mourir parce que li son moun ki menace. Journal la même dit ancien parlementaire te supplié policier yo tant pri s'il vous plaît pas quitter yo expulser en Haïti parce que s'il aller en Haïti y a touyé. Faut nous di yo te kembe John Joel Joseph d'après précision journal la vers 2h du matin. John te gen avec li madame ni avec deux petits et journal la précisé que yon nan ti moun yo gagne 18 ans. L'autre information que tu as dit, tu as arrêté madame Yak Petit li avant. Hein? Et puis c'est par la suite madame, va l'arrêter, monsieur. Effectivement, madame ni avec Petit li, selon sa journal, l'a précisé. D'ailleurs, il dit madame, c'est un avocat.
So, par contre, écoutez, journal la journée information ça, il dit madame ni son avocat et yon nati moun yo gen 18 ans, yo arrêté yo yon jour avant, soit vendredi, yo arrêté moun sa yo nan yon kay côté yo te al caché, autorité la police yo te pran yon unité spécialisée ça et par la suite à 2h du matin nan samedi, yo pral vin arrêté John Joel Joseph. L'autre information pour nous kembe Pierre-Renel Bobsé, guerrier Dieu seul, selon Sunday Observer, yo arrêté John Joel Joseph avec une série de documents qui rédigé en français. Yo pas connu qui document yo yé. Yo dit que actuellement enquêteur yo a examiné pour yo et tenter joindre détail sur qui ça document yo même yo yé. Donc pour nous kembe, pour nous résumer tout ça nous dit yo John Joel Joseph selon journal Jamaica Observer, li dépensé $12,000 américains pour le sortir Haïti pour le venir Jamaïque. L'est arrivé dans cette zone sacrée les Sainte-Élisabeth, li parla à moun yo a chercher sympathie pour yo capable et cacher li pour cacher identité pour yo pas arriver identifier. Malheureusement, il était venu mettre main sous li. L'est la police vient arrêter li, t'a offri policier $2,000,000 pour yo pas expulser en Haïti parce que selon ancien sénateur s'il vient en Haïti c'est la mort garantie. Et avec combien cob yo joine sénateur puisque là s'il ca offrir policier quantité l'argent ça et c'est que li voyage avec l'argent liquide journal n'a pas fait mention de ça non plus. Il a pas fait mention totale cob que ancien sénateur lui-même li te gagné sous li yo seulement dit il t'a dépensé 12,000 pour voyage là il t'a offri 2 millions à policier yo. Maintenant, est-ce que ancien sénateur a gagné plus cob sous lui? Nous pas connaît. Combien cob la tayé? Nous pas connaît. Est-ce que le arrêté ancien sénateur a toujours gagné cob sous lui en plus de documents que audio jeune ni avait là? Nous pas connaît. Sauf que n'a prêté suivre pour nous qui ça et deux journal ça qui au Jamaïque pral dit en plus sous causer ça parce que son élément nouveau que en pile monde pas connaît que journal jamaïcain ça lui-même les rapporter. Maintenant, comment ancien sénateur a fait traverser avec tout cob sa yo? L'est arrivé combien cob li te bay moun yo nan population pour yo pas identifier? Son bonne question qui était sans réponse mais tout son élément en plus pour capable bien analyser comment John qui te pays a pour arriver et qui toute stratégie il te fait pour yo pas arrêter et là au final arrêter qui toute stratagème il te fait pour li pas tourner vin Haïti. Donc c'est remarque nous fait c'est que tout monsieur peut mourir pendant qu'on fait complot pour trouver l'autre là et même peut mourir bon l'argent trop qu'on gagne mais tout bon volume qu'on gagne l'amour ou après sous tes cages de moucher c'est ça il y a assassin toujours personne ah oui faut y aller jouer quoi il y a tout peut mourir et jouissance l'argent belle oui, l'argent presse merci en Pine Saint-Ville on l'autre fois encore il faut que nous dit que l'exemple